Voilà, on a eu de la chance, j'ai fait une belle rencontre. Merci au Père Olivier, je ne sais pas où il est, merci infiniment. Vraiment, ça me... je suis très très touché, je suis très ému encore, je suis encore sous le... l'émotion de tout ce que je viens de voir. C'est vraiment très intéressant et je me dis... Le titre reste un peu, c'est un peu la phrase que j'ai entendue de la part de ma mère toute ma vie, parce que pour nos parents et pour une mère, on ne reste jamais assez. Quand on est gamin, on est avec les copains, on va jouer, et puis quand on grandit, on a une petite copine, et quand on étudie, on se casse... On va loin de sa ville et puis quand on travaille... Parce que mon frère, je lui ai dit, je fais mon prochain film bientôt, je suis en tournage, est-ce que tu veux jouer dedans? Il m'a dit, c'est quoi? Je lui ai dit, c'est mon histoire d'amour avec la Sainte Vierge. Il m'a dit, lui, on l'a perdu, c'est bon. Et il m'a dit, qui sont les acteurs? Je lui ai dit, il y a papa, il y a maman. Et là, il a dit, non, je ne vais pas... Mais tu sais, ça, c'est pas facile hein, de tourner avec ses parents. C'est une grande joie, mais c'est pas facile. Mais en même temps, ça m'a obligé à être vrai. Parce que quand ta mère te regarde à l'écran... Bon d'abord, je vais faire une petite parenthèse, j'ai engagé ma mère aussi parce qu'elle ne m'aurait jamais pardonné. Donc j'ai une histoire et après je te fais gronder. Cet été, j'étais en vacances avec mon fiston, lui qui a 8 ans. Okay. Et il y a une dame qui a dit à sa fille, regarde, c'est Gad Elmaleh. Et la petite, elle m'a regardé, mais elle ne savait pas du tout qui c'était Gad Elmaleh. Elle m'a regardé comme le maître-nageur de la piscine du club de vacances. Elle s'en foutait complètement. Puis moi, je l'ai mal pris. J'étais la voir, je lui ai dit, tu connais les mignons? Le dessin animé, elle m'a dit oui. Je lui ai dit, c'est moi. Non, alors fais-le. Là, je lui ai dit, professeur Nefario, apportez-moi des robo-cookies. Nous allons voler la tour Eiffel, enfin, celle de Las Vegas. Pistogène! Il faut voir, là, vous ne voyez pas, elle hallucine. Hein, vous voyez pas.